suis Léo, petit lion de l'Afrique. Je suis tout blanc et gentil. Autour de moi, les animaux fantastiques sont mes amis, sont mes amis. Oh, oh, oh. Il faut savoir faire régner la justice, partager l'espace et l'eau, et que chacun puisse faire ses caprices très loin des cages et loin des eaux. Fatigué, moi, mais tu veux rire. C'est simplement que la jungle où vit Léo est pas très près. Oh, ben si c'est que ça, on n'a qu'à continuer, tu sais. Comme ça, on y arrivera aujourd'hui. Va pas trop vite. Je me demande bien pourquoi on se donne tous mal. C'est vrai, celui qu'on attend, c'est jamais qu'un vieux fromage fatigué. Je suis sûr que tu ne penses pas ce que tu dis, Coco. Les voilà! Ils arrivent, Léa et le vieux marron, je les voilà! Bon, alors maintenant, attention à ce que vous dites, hein. Léo? Oh, bonjour, Léa. Soyez les bienvenus. Oui, ben, ça va comme ça. Mais qu'est-ce qui te prend, enfin? Léo te souhaite la bienvenue. Bonjour. D'abord, ici, ça ne me plaît pas, mais pas du tout. Oh. Ça manque de vie. C'est trop paisible. Je vais m'ennuyer. Non, mais c'est vrai. Regardez-moi ça. C'est si propre par ici qu'on ne se croirait même plus dans la jungle. Mais quel mal y a-t-il à aimer ce qui est propre? Mais tu te moques de moi. Un vrai fauve doit aimer ce qui est sale. Et si nous sommes des animaux sauvages, ce n'est pas pour rien. On n'a rien à voir avec les animaux des hommes. Je vais te montrer comment doit vivre un vrai lion digne de ce nom. Alors, Léo, tu viens, oui ou non? Je suis vraiment désolée, tu comprends? Lui, il supporte pas qu'on le prenne pour un vieux lion, c'est pour ça qu'il fait ça. Tu lui en veux pas trop, dis? Mais non, pas du tout. Et si ça peut lui faire plaisir, alors? Alors, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Voilà! J'arrive! Eh ben, c'est pas trop tôt. Là! Fais un peu attention. Désolée. Yeah. Oh, je crois que t'es trop fort pour moi. Mais qu'est-ce que tu racontes? On va faire encore autre chose, dis. Non, ça suffit pour l'instant. Ah, chic alors. Hé, Léa! Mais Léo... Oh non! Ah, je comprends tout, misérable. Tu t'es moqué de moi. Pardon? C'est vrai, je ne suis pas encore assez vieux pour qu'on fasse exprès de me laisser gagner. Tu m'as pris pour un idiot, très bien, si c'est comme ça, adieu. Je m'en vais. Oh. T'es fier de toi maintenant, dis? Il n'y a plus de jeunesse, il ne respecte plus rien. Mais à quoi joue-t-il cet homme?
Je vais lui montrer à cet idiot que je suis encore capable de tenir mon rang. N'oublie pas qu'il nous faut des bonnes photos pour l'exposition, hein? Mais... Attendez, vous allez me le payer. Si, il a suivi des hommes, puisque je vous le dis. Ça m'étonne un peu, il est quand même pas si bête. Vite, il faut le rattraper. Attendez, horrible pion. Oh, oh, Lyon, au secours, Lyon. Oh là là. Lyon, 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 au secours. Oh ben, il est là-bas. Maroche, mais il est impossible. Oh, tu devrais avoir honte de dire ça. C'est toi qui es impossible. Oh, pourtant, j'ai fait de mon mieux, tu sais. Léa. N'empêche qu'il a pas voulu rester. Et c'est à cause de toi, parce que t'as mal joué ton rôle. Oh. Et ça, c'est pas très gentil, Léo. Non, c'est pas très gentil du tout. Je dois dire que tu m'as énormément déçu, Léo. Si tu étais un vrai lion, crois-moi, tu te conduirais autrement. Et j'ai le regret de constater que tu n'arriveras jamais à la cheville de ton père. Excuse-moi, Léa. Mais c'est tout toi, ça. Toujours à demander pardon au lieu d'agir. Ce n'est pas le moment de vous disputer, alors le temps presse. Il a raison. Il faut vite y aller. Il a raison. Allons-y vite. Bah, tu sais, Léa, ça va pas être facile de le retrouver là-dedans. J'ai l'impression que les hommes l'ont repéré. Ils doivent le chercher. Je me demande par où il est allé. Léo, par ici. Je reconnais son odeur. Alerte, venez vite par ici! Ils nous poursuivent! Ah, ah. C'est bizarre, j'aurais pourtant juré qu'il était venu par ici. Eh bien, on ne peut pas dire que notre voyage aura été très long, hein, papa?
Il va la voir. Mais où est-ce qu'il a bien pu partir? Oh, Léo, regarde là-bas! Regarde vite! Ah, il faut le rattraper! Tu vois à ma place. Par exemple, si qu'on empruntait ce véhicule. Vous voulez bien démarrer, s'il vous plaît? Léo qui parle. Si vous pouviez rattraper le train, ce serait encore mieux. Oui, d'accord. J'en ai le cœur net. Il va continuer à me suivre, cet idiot. Oh, le vieux honneur. Tu ne m'échapperas pas, tu m'entends? Non, assez. Lâche-moi! Oh non, c'est lui. Il va me payer cet affront. Arrêtez! Sors ton vide de là! Oh non! Oh, mais pourquoi il est reparti?
Est-ce que je me sens pas bien? J'arrive. Cette fois-ci, désolé, mais tu ne m'échapperas plus, l'ami. Tu te souviens de notre dernière rencontre? Moi, je ne l'ai pas oublié, c'était il y a 3 ans. Tu t'en étais pris à mon fils avant de voler tout l'argent que j'avais et de disparaître dans la nature comme un lâche. Mais voilà, l'ennui pour toi, c'est que je suis du genre tenace. Je m'étais juré de te rattraper un jour et je crois que j'y ai réussi, non? Oh! Papa, tu vas bien? Dis. Ah, c'est toi, fiston. Bah oui, papa, je te voyais pas revenir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Une chose épouvantable. Compris, on doit être au port le plus vite possible. Je me sens drôle. Regardez. Et à toi d'abord. Non, mais vous avez vu dans quel état il est? Oh, tu as vu, papa, c'est le lion de l'autre jour. Mais qu'est-ce qu'il fait par ici? On doit lui plaire, papa. Je te parie qu'il nous a suivis. Tu sais, je crois qu'on devrait l'acheter et l'emporter avec nous en souvenir. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Vous savez, ce lion ne vaut rien et il est très vieux. Croyez-moi, il ne vous rapportera que des ennuis. Ah bah oui, peut-être, mais enfin, ça dépend. Combien vous nous en offrez? Alors? Oh non, regarde, Léa. Les hommes ont réussi à le capturer. Tu ne viendras pas, Léa. J'irai tout seul sur ce bateau. Ah non, pas question. Je suis là, je viens avec toi. Ah ah, regarde-le. Ça va faire un beau cadeau pour maman, n'est-ce pas, papa? Oui. Et vous, là-bas, faites-moi sortir. Vous entendez? Faites-moi tout de suite sortir de là. Accrochons-nous à cette chaîne, on va pouvoir monter. Encore ces humains. Oh, c'est un lion. Mais oh. Décidément, tout le monde se moque de moi, je commence à en avoir assez. Oh, regardez, il a réussi à sortir de sa cage. Ah, ah non, pas nous. Maman. Mais quel idiot! Ils sont bien trop nombreux. Aux armes, vite! Oui! Occupe-toi de lui, Léa! Moi, je vais essayer de les attirer. Ah! Ah! Oh! Oh! Mais là! Ces animaux! Oh! Au secours! Oh, bon sang, ça, par exemple! Mais c'est l'homme qui a attaqué papa dans le train! Monsieur, remettez-vous, voyons! Papa, c'est l'homme qui t'a attaqué! Il s'est assommé tout seul! Alors ça, je m'en moque! Mais enfin, on ne peut pas le laisser comme ça, papa. Même si c'est un bandit, on doit le soigner. Mais qu'ai-je fait au ciel pour avoir un fils aussi gentil? Oh. Désolé, monsieur. Mais vous savez, j'avais pas le choix. Vite, il faut le retrouver maintenant. Ah non, au secours! Ah.
Non, papa. Mais tu es fou. Encore toi, Léo. Ah, tu as décidé de me ridiculiser complètement. C'est ça, hein? Mais j'en ai assez maintenant. Je crois que j'ai compris, ma petite Léa. Ah oui, qu'est-ce que t'as compris? Que ce n'était pas moi qui étais faible, mais ton ami était vraiment fort. Ah. Ah. Oh, dis donc, et ça va, mon tonton? Oh, je t'en supplie, mon tonton, réponds-moi vite. T'es fier de toi, Léo, hein, comme si t'avais besoin de lui faire ça. C'est vrai, tu sais, je te reconnais plus. D'habitude, t'es tellement gentil, et là... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il parle comme des humains. Excusez-moi, messieurs. Hmm? Je suis désolé si on vous a fait un petit peu peur, mais ne craignez rien, on sera bientôt reparti. Au revoir, au revoir. Tu sais, papa, je crois que c'est mieux comme ça. Oui, tu as sans doute raison, fiston. Je suis navré, mon vieux. Je n'essaierai plus de m'enfuir maintenant. Papa. Alors tu peux m'arrêter et faire de moi ce que tu voudras. Ça m'est parfaitement égal. Vraiment? C'est bizarre, j'ai tout oublié. Non, ce n'est pas vrai, je n'en crois pas un mot. Décidément, tu ne changeras jamais, pas vrai? Hélas, non, c'est pour ça qu'il vaut mieux en finir et que tu m'arrêtes tout de suite. Passe-moi les menottes. C'est fou ce que tu es têtu, je viens de te dire que j'avais tout oublié. C'est sûrement dû au choc, mais je suis sûr que ça me reviendra. Après l'exposition de ton fils, il sera toujours temps de régler tout ça. Hein? Je te remercie beaucoup. C'est très gentil ce que tu fais là et tu peux compter sur ma parole. Parfait, alors tout est arrangé. Je me suis vraiment conduit comme un vieil idiot. Je vous en ai donné du mal. Pardonne-moi. Te pardonner, mais quoi? Le fait que tu aies beaucoup de courage? Je plaisante. Non, je plaisante pas. Bon, c'est pas tout ça. Si on y allait, on a du chemin à faire. D'accord, on fait la course. Ouais!